Général, Gaulois, comment ça peut être là? On a veillé, tu voles ça. On a eu un 3-8, nous prenons un 3-8. Tu as volé dans la zone. Quoi ça me dit là? Et moi, je connais même des deux comme ça depuis comme si je prenais ça au récepteur qui a joué. Bienvenue à la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Madame Dominique Dupuy. Madame Dominique Dupuy, c'est Matéléba ou la Kaou, et ça veut dire que sous son une fanatique Matéléba, et depuis là, on est dans UNESCO, et on est toujours à suivre Matéléba, et de fait, réaction, yo, et beaucoup tôt, c'était toujours, et c'est par le biais de Matéléba qui fait un ensemble d'informations qui viennent. Donc, Matéléba, c'est ça lié. Et ministre Dominique Dupuy, et qui est lié? Et côté le sorti pour arriver côté arriver là jodi à là. Bonjour Esaïe César, bonjour Louko Désir même s'il pas avec nous dans studio A. Bonjour Vladimir Galette et puis tout technicien autour qui fait nous bien passer matin. Je suis content dans matin débat première fois avec nous. Même senti la caïm, senti que son on ambiance que toujours vive. Des écrans mais qu'on y a vraiment comprendre pour qu'ils aient toujours une énergie dans l'émission ça vraiment un bail spécial dans l'espace ça me content avec nous donc qui côté me sorti au Cap qui côté mié qu'on y a Port-au-Prince dans ministère affaires étrangères avec ministère haïtien vivant à l'étranger je pense que faut nous ta fonti émission peut-être 3 4 heures de temps pour me raconter nous qui route qui ca qui pas au courant qui mène là mais en gros je pense que c'est en question de philosophie parce que depuis petit, m'ai toujours est entouré de monde qui apprennent moins que faut nous servir pays hein, qui apprennent moins que c'est celle qui nous gagne et c'est celle nous qui l'a tout pour nous défendre et m'ai toujours essayé vivre en gens pour me placer tête moins dans des situations côté que tout ça m'a fait et abouti à intérêt public si m'ka dit le comme ça. Donc en gros, c'est comme ça m'ta ka dit que materie dans poste ministériel ça m'était très honoré le premier ministre t'était relé pour proposer une position ça et l'homme t'a accepté les aïe faut me dire je connais l'étape difficile. Je connais Chaila tape lourd, je connais que le chantier est en pile. Même je senti que j'ai une équipe autour de moi. D'ailleurs, dans la salle, je salue le chef cabinet qui a accompagné aujourd'hui. Et je connais que nous à la hauteur de l'ambition que nous avons pour les réformes que nous voulons mener, avec pour changement que nous voulons porter. Mais ce n'est pas facile, mais nous ne pouvons pas faire back. Nous sorti. Non tourné qui pralmen dans Nations Unies n'a pas directement dans point ça qui c'est fin hier de la 79e assemblée générale des Nations Unies Haïti a fait bon visage selon plus d'un maintenant et malgré toute critique qui t'est gagné sur toile là nous rappelons nous et ensemble de problèmes qui t'est posé entre la primature la présidence est-ce que problème il y en avait et est-ce que problème et ça yo t'est gagné avec le ministère affaires étrangères et la mission permanente des Nations Unies qui saleté exactement la vérité dans tout ça madame la ministre. La vérité Zahim, très content de parler avec nous aujourd'hui hein, pour nous clarifier. Tu as un pile bruit pour des contre-vérités qui ont circulé et nous connaissons aujourd'hui hein, toute société haïtienne non, infectée avec des informations avec fake qui ont circulé et puis avec des monde tout qui ont intérêt de créer des histoires qui basées sur des inventions. Réalité hein, c'est que pas de gain problème sous participation haïtienne. Non. T'es toujours gagné une seule délégation haïtienne présidée par son excellence le président du conseil et présidentiel de transition Edgar Leblanc et t'es toujours gagné un agenda complémentaire entre participation présidentielle là, participation premier ministre là et participation ministre affaires étrangères là. Schéma ça pas un schéma qui est unique à Haïti, il y a une pile délégation que nous croiser qui gagne même schéma côté soit en président soit en roi là accompagné de premier ministre, accompagné de ministre affaires étrangères et accompagné de toutes sortes de techniciens, experts et diplomates dans et délégation pour prendre part à commission yo.
Ça a été clair depuis le début, c'est comme ça que nous-mêmes, comme ministère des Affaires étrangères, nous avons communiqué le bas Nations Unies. C'est pour ça que l'accréditation a été faite en fonction de communication. Ça, badge président Leblanc est paré, en même temps, badge tout le monde comme chef de délégation. Okay. Premier ministre, avant de quitter le territoire, a circulé en note, on communiqué, côté que l'IT a annoncé que l'a quitté le pays pour participer dans l'Assemblée générale, dans le cadre d'une délégation qui présidait par son excellence Edgar Leblanc. Donc pas jamais gain confusion sur format ni sur cohérence et participation haïtienne. Agenda participation été bâti à travers compilation et agenda respectif yo que MAE vinn joindre. MAE circulé agenda sa batoa entité yo lui-même MAE primature avec et présidence et tout le monde était d'accord sur tâche répartition des tâches que chaque parti te gagne. Je nous connais là. Donc tu as une coordination entre la primature et la présidence. Tout à fait, et nous, la mission permanente. Non seulement pour le ministre rencontrer avec le président avant les partis pour regarder agenda respectif comme un complémentaire. Correct. Deuxièmement, tu as une cellule qui travaille sous et aspect logistique là qui réunit dans villa d'accueil avec une représentation MAE, une représentation primature et ambassadeur et Haïti à l'ONU t'es même voyagé dans quatre déclarations patrimoine li vinn fè nous arrangé nous pour li voyager en avant pour li font réunion physiquement dans villa d'accueil en présence chef cabinet la présidence en présence conseiller diplomatique président Leblanc en présence responsable institution et international MAE en présence primature donc coordination t'es faite de façon harmonieuse par toutes les parties concernées c'est sa vérité aïe mais effectivement Esaïe vinn gen hic si m ka di l comme ça mais hic là et me pense que faut nous kembe nous regard nous sous et vrai interlocuteur là hic là sorti sous parti américaine là et m'a tout salué ambassadeur américain en Haïti hein qui rapidement réagit et qui font communication publique à travers un tweet qui reconnaît que tout temps là sorti sous bon pa yo ça m'ka partager avec nous c'est que dans délégation qui fait là ou a remarqué que tu gagne deux moun qui utilisait titre présidentiel là, c'est-à-dire qu'au gain président Leblanc et au gain président Voltaire qui participait dans la délégation. Là nous même nous communiquer information ça. Est-ce que le nom de Voltaire, monsieur Voltaire était déjà là avant même dans communication que nous voyons le 5 septembre, non, il était déjà là dedans. Okay. Et ça qui vient réaliser hein, c'est que Américain vient expliquer nous après parce que là nous confronté à problème là, nous pas gain soucio parce que comme ministère des Affaires étrangères, nous en communication avec le département d'État, OK? Et avec des structures autonomes. Secret Service lui-même l'a agi de façon autonome quant à courtoisie que il doit accorder à chef délégation yo avec et toute membre délégation qui ont certain niveau tant que premier ministre là. Dans certains cas ministère des Affaires étrangères là bénéficier tout de détails Secret Service là. Nous-mêmes nous pas fait demande pour lui parce que nous étions conscients que nous étions en grande délégation, nous pas penser l'idée nécessaire, nous tape toujours soit avec président soit avec premier ministre là, nous pas besoin autonome. Donc nous pas demander pour moi-même, nous demander automatiquement pour le chef de délégation et yo estimer que premier ministre là doit bénéficier de lui aussi parce que c'est une personnalité de haut niveau. Correct. OK. Ça crive yo. Communication allé, yo vin apprendre nous que système yo vin pas ka comprendre structure exécutif pas nous. Côté yo gen deux présidents. Donc système là c'est pas un monde qui a opéré li. Si on bagaille, c'est un logiciel peut-être que yo gen, yo seulement exit li. Donc yo obligé vin faire une intervention manuelle suite à connaissance que yo vin gen de problème là pour que yo expliquer que non c'est pas un problème li gen, son structure unique que nous gen nous-mêmes. Que États-Unis reconnaissent, que États-Unis appuient, et donc que États-Unis doivent accommoder. Mais toute manœuvre, ça a pris temps, ce sont des manœuvres diplomatiques que nous impliquons là dans le parti haïtienne, mais que les Américains ont pris vraiment au sérieux, et c'est eux-mêmes qui viennent permettre dans le territoire PAYO que le résultat a débouché sur non seulement mais à culpa public, mais sur une mise à disposition de toute courtoisie que ont toujours voulu accorder président Leblanc et que les bénéficiaient de eux. Okay. Donc, c'est pour me dire que il n'y avait pas d'histoire. Il y a eu un problème de système d'absorption d'informations du côté américain. Au niveau des Américains. Au niveau des Américains, ils l'ont reconnu. Maintenant, si on voulait faire nous croire que un problème, bon PAM, bon pas MAE, c'est pour détourner le regard d'autres questions que peut-être ils n'ont pas aborder. Détourner attention population sur vrai problème. Population pour occuper les esprits avec des histoires inventées et des diversions. Même qu'on est surtout dans le matin débat, nous plus intelligents que ça et surtout nous plus focus.
et sous ça qui est important yo sous substance là. Madame la ministre, c'est bien parce que pour te éclaircissement, côté problème dans côté IC là pour me répéter soit so dit en sortie, c'est bon côté les États-Unis d'Amérique, mais et parallèlement pas boy site en Haïti. Et go paquet moun tout qui wel a un mauvais jeu parce qu'on se dit à l'heure m'a répété littéralement t'es toujours gagné une seule délégation en ce qui concerne Haïti et si t'es bon on t'es toujours gagné une seule délégation pour Haïti qui ça qui expliquer que le premier ministre et le président le coordonnateur du conseil présidentiel yo pas déplacé ensemble yo déplacé séparément. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Par exemple, moi-même, si c'est pas, m'espère n'a pas un petit temps pour nous parler de ça. Correct. Et moi, j'étais quand même allé en vent. Moi, arrivé 2 jours avant le premier ministre. J'étais en tournée européenne. T'as aimé bien expliquer nous peut-être ça me botter de tourner ça parce oui. que j'ai beaucoup parlé avec personne depuis que je tournais. Monica Terry m'a commencé à préparer visite là. Premier ministre arrivé 2 jours plus tard et président t'es prévu pour arriver le lendemain ou le surlendemain. C'est tout à fait normal que selon degré autorité délégation hein, ou ka ale en advance j'en ou dit là c'est pas un signal de désharmonie du tout que ministre affaires étrangères là rentré en vend non pièce pour l'assurer tout bagaille en forme pour accueillir justement sommité là comprendre ministre affaires étrangères là même pas comprendre pour ministre là avec président bon dit comme ça bon dit le président écoute j'aime Jolan agenda ça Jean ou elle t'es doué déployer malgré encore une fois t'es gon hic c'est un agenda qui bâti en harmonie avec président lui-même et puis premier ministre là yo t'es d'accord que peut-être ça l'important pour me dire c'est que assemblée générale là il y a des moments forts qui des moments statutaires pour Nations Unies hein, okay? OK mais qui ça assemblée générale là est vraiment c'est un moment de communion unique dans année et calendrier là côté que plus passé 190 pays pral réuni avec officiel yo et c'est ça bon opportunité de créer des points de convergence de rencontrer des monde quand on t'a pral obligé voyager pendant des heures al font paquet et démarches pour qu'il y ait accès à yo et subitement tout monde yo réuni pour premier ministre là li important que participation le rete à hauteur de coopération que lui même li gen plaidoyer pour le porter hein. Président lui même li gen plaidoyer pour le porter non espace statutaire tout qui peut commencer. Il était là pour le prévu, pour le prendre et Jean Fellan rencontrer le secrétaire général là. Malheureusement, il a raté rendez-vous ça. Okay. Mais il parlait sous podium là. Jean, ça était toujours prévu. Et Jean, ça, c'est Wall, chef délégation. Il était gagné l'autre bilatéral tout. M'a quitté. Faut nous connaître que président et New York toujours. M'a quitté le fait bilan. Il prend le fond pour une presse à retour. M'a quitté le fait bilan lui-même de réussite délégation. Hein? Réussite délégation. Hein? Mais c'est parce que me gêtais nous regarder nous c'est ça le cas pas de souci alors fontine tu me regardes les aïe bon puis où est regarder caméra regarder caméra c'est ça limpi bon le alors c'est mon nous oui mon a fait mon et haïtien vivant à l'étranger c'est eux qui dit mais féministe où est regarder nous en face regarder nous regarder nous mais pas face avec nous pas de souci allez-y harmonie ça je pense que si nous prenons temps nous pour nous réaliser justement le fait que nous t'es arrivé et monter un agenda complémentaire face à l'urgence parce que on nous font tibac qui ça qui pour qui ça est important pour Haïti t'es même participer dans l'assemblée générale la journée aujourd'hui parce que il y a une urgence nationale nous t'es qu'a dit faut ni président ni premier ministre ni moi-même faut m'tachita Haïti pour nous gérer ministère faire année fiscale faut nous t'ava à et gérer l'urgence nationale. Mais qui est-ce qui est la réalité? On nous prend 2010 comme point de repère. Son date qui est gravée dans la mémoire tout haïtien et qui représente un point et vraiment sombre dans l'histoire et contemporaine. Pas nous nous perdu presque 300 000 personnes en quelques secondes et nous avons géré le traumatisme jusqu'à présent. Mais, Esaïe, qui est-ce qui vit aujourd'hui d'après vous? Je dis à n'a vive 12 millions moun k'ap mouri piti. Ouais. N'a vive une tragédie, c'est pas un goudou k'a senti, mais nan destruction, nan impact li en termes de crise profonde, li comparable si li pas pire parce que c'est nous tout k'ap mouri piti, que ça k'ap mouri la peur, que ça k'ap mouri grand goût, que ça k'ap mouri parce que pas ka jwenn yo l'hôpital, pas ka rive nan l'hôpital, que ça k'ap mouri parce que désespéré, que ça k'ap mouri parce que yo prend bateau pour yo jambé et puis yo couler. Donc nous à vivre en mort lente
de toute population haïtienne. Et pour la première fois. Et il y a moun panouyo qui là-bas qui vivent dans une situation enragée qui ont besoin de venir dans le pays. Et pour la première fois, même gens avec tremblement de terre là, c'est pour ça moi que on comparaison que nous avons bâti sous lit, personne ne va épargner. Moi même tare mon moun di m jounen jodi a que gen des moun qui senti yo en sécurité yo bien crise la pa concerner yo jounen jodi a nan pays a et long bon moment comme ça côté que tout moun a bord même bateau a en même temps ou ka dénoncer douleur que ça provoqué en même temps faut wèl tan kon opportunité parce que pour la première fois ou ka mobiliser tout moun autour d'un changement et d'une transformation. Donc c'est dans contexte ça que nous prenons décision pour nous participer dans 79e assemblée générale là. Et pour nous porter voix de l'urgence, pour nous porter voix de tout ça nous besoin pour que nous réussissions transition, hein, signal participation collective là ton signal fort et positif. Kounia yo ka vle virer le temps qu'on bagaille qui crée un problème. Mais signal participation à toutes les échelles là, c'est un bel éventail pour montrer que toutes les composantes de la transition présent et au vle faire même plaidoyer parce que le premier ministre prend la parole c'est même sa président dit que l'a répété il va rentrer dans plus détails techniques pour dire combien policiers côté police a fait opération combien moun qui déplacer président lui-même il y a un débat plus élevé plus politique plus stratégique mais ce sont des discours complémentaires et des discours qui se renforcent l'un et l'autre et c'est beauté décision participation collective là à la hauteur de urgence que nous gagnons que nous ta doit souligner parce que thème aller plus loin qui ça qui réussit journée aujourd'hui participation haïtienne là qui bilan nous ca tirer j'ai là on va arriver avec vous bilan et quid du bilan et de la participation d'Haïti à cette 79e et assemblée générale des Nations Unies et qui ça Haïti joine. Et ça n'a pas cherché, ça n'a pas fait. Je fais dire, et Gladimir, ça m'a respecté par le président qui a venu dans quelques jours pour qu'il fasse point de presse par lui. Mais ça m'a dit, c'est pour qui ça pour nous aller nous assembler comme ça? Et pour qui ça que le président était jusqu'à présent, il a dit nous, il y a des bilatéraux de très haut niveau que le bras gagne dans les prochains jours. Moi-même, avec fonction ministre, je suis obligé de faire mes exercices fiscaux là, donc je suis obligé de rentrer pour me joindre un jour ouvrable là. Et, bah, on met là. Pour ne pas faire bilan, je dis qui ça qui va remettre là. C'est le nous déplacer. Qui ça déplacer après le faire pour 600 000 personnes qui déplacent internes journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Qui ça participation ça après le bail pour moitié population haïtienne qui a dormi 20 vide le soir. Qui ça après le bail pour jeune femme 14 ans qui a infecté avec VIH parce qu'elle a subi viol. Qui ça le parle bail pour timoun dans zone la caïmon dans tibouk au boyne qui pour que j'aime courant à yeux qui pour que j'aime lumière qui ça le parle bail pour moitié gang yo que nous suspecter qui t'es cadre timoun qui t'a dans l'âge pour y aller à l'école qui ça va le porter pour yo donc c'est ça baromètre participation hein. C'est pas tout bruit qu'on veut que vous voulez causer autour de qui est-ce qui t'a allé comment vous t'a allé qui ça vous t'a fait mais c'est qui plaidoyer nous t'a porter ensemble. Et pour me dire moi-même dans parti PAM dans réunion que moi j'ai honneur pour participer dans yo soit à côté président soit à côté premier ministre là et souvent à côté les deux ça moi c'est que nous déjà qu'a annoncé une réussite. On réussit non seulement à travers un discours courageux que le président a prononcé, un discours qui recevait un pile d'applaudissements dans l'Assemblée générale là. Il faut le dire. Un discours côté que il campé non seulement et ambiguïté qu'on ka gen dignité ou ka camper tête droite mais on ka dit tout besoin qu'on vienne corim c'est pas parce que m'pa ka faire pour compte moi c'est pas parce que Haïti pa ka réussir transition pour compte lui mais c'est parce que si nous ensemble nous ka réussir le plus bien plus vite et gen urgence et gen urgence et faut nous rappeler tout m'tap coûter là sous matin débat et intervention qui t'est venu juste avant non c'est pas charité n'a demandé c'est ça nous t'est fait que nous viennent dire faire pour nous tout mais malheureusement pour nous. Nous avons un contexte côté gain plus passé 60 crises dans le monde qui a monopolisé attention communauté internationale là et des crises qui mieux articulées que nous. Combat nous gagnons son combat de discours justement, son combat de joindre monde tant que président, tant que premier ministre, tant que tout l'autre ministre gouvernement qui ca joindre partenaire nous pour articuler situation à vivre là. C'est pas parce que monde pas veut aider nous, c'est parce que pas comprendre. Yo pas comprendre un, est-ce que nous avons un plan? Bonne réponse transition ça c'est que pour la première fois mon gouvernement de transition qui publie une feuille de route. Moi même t'es en réunion avec président Lula, deux yeux aussi qu'on s'allie. Oh, nouveau feuille de route. Voyez-le pour nous, c'est ça nous tapton. Ça pas t'empêcher que me t'aller Brésil avant et que
l'homme te parlé de feuille de route là, il était déjà dit nous a doubler coopération. Doubler coopération. Il a débloqué des soutiens militaires nous en faveur de l'armée que me tourner avec eux, équipement que nous avons besoin pour que nous mener combat. Il a aidé nous dans et chantier électoral là que nous besoin. D'ailleurs, nous gagné haïtiens qui a parti le 5 octobre pour observer élection et brésilienne locale yo et tout des brésiliens qui a tourné pour former même CEP en tout. Ça c'est des coopérations concrètes que nous joignons dans Brésil. Mais plus que ça, l'arrivée ou à parler avec un président du poids et de l'envergure du président Lula et que il saisit ouais que pour une fois au podium plein d'action côté que lui-même il carré identifier côté le Gavin Correo, ça veut dire que n'a font bagaille bien, ça veut dire que nous ca corré encore un appui qui pas un appui acquis parce que tout le monde a fait face à des crises. Guerre que n'a mené sur le champ diplomatique journée jeudi a c'est une guerre d'articulation. L'organe des présidents Zelensky depuis attaque qui a commencé en bas de la Russie, monsieur pas jamais chita. Pour qui ça le pas chita? Ou te ka dit mi a attaqué le fol chita en Ukraine pour la li même li pon zam? Non, li connaissait pas zam nan ki guerre lan seulement. C'est guerre diplomatique lan tout. C'est al déplacer tout côté, al parler dans Sénat, al rencontrer tout partenaire yo. C'est occuper espace physique lan côté que partenaire yo ka incorporer sens de l'urgence que li même li senti dans pays. Nous même, c'est même démarche lan que nous lancer. Depuis me prend fonction malé Paraguay. Mal rencontré toute OEA, nous lançons un signal fort après plusieurs mois côté Haïti était bébé. Haïti pas t'a parlé de problème encore. Nous tellement goumé entre nous, nous pensons que combat c'est entre nous pour le faire. Combat c'est avec l'autre crise pour le faire avec l'international pour nous dire vienne corré nous autour d'un agenda commun. Nous réussis ça qui était inimaginable qui c'est accord 3 avril là. Côté tout le monde mettait tête d'accord pour une transition pacifique. Qu'on y a fois nous livrer sous transition ça autour de l'élection hein. Pour une fois, après combien d'années, nous avons CEP qui montait 7 membres sur 9 qui rendent fonctionnels et nous espérons 2 membres à rejoindre bientôt. Pour tes messages, ça, dans Paraguay, dans OEA, c'était la première étape. Nous allons à CARICOM dans le sommet, nous pour tes mêmes messages là. Nous allons à Washington, dans le Conseil de sécurité, dans New York. Nous allons en Europe, arriver à Madrid, aller au Royaume-Uni, passer Bruxelles. Qui ça a créé pour aboutir plus récemment dans l'Assemblée générale là? C'est que nous tendons feedback là. Yo di nou pour la première fois yo comprendre démarche Haïti a faire. Pour la première fois yo wè ki bon yo ka améliorer contribution. Pour la première fois yo wè tout ki bon ça a faire pas marcher parce que li pas cohérent avec besoin actuel nous. Parce que des fois blanc international là, li décider mais ça l'a voyer pour. M'tande monsieur a t'a dit ça en vente, la bon sac duri. M'pa di pa gen grand goût. Mais j'en t'a dit hein, on projet agro-industriel plus important que sac duri hein. Et surtout gen des fois obligé faire le en même temps parce que grand goût à l'immédiat on va pas dire moun nan qui parle dormi 20 villes là ton projet a on 12 millions bravo non ou ka bay sac duri on pas ka camper là parce que sinon on a toujours nous dépendance sac duri et ça par exemple nous a dit partenaire yo c'est que nous a l'approcher yo avec des aspects innovants de qui gens yo ka corré nous pour dégager des portefeuilles que nous pour que gens m'a bénéficier interlocuteur en vente a parlé de USAID nous gagne réunion et m'ta ka dit presque tout côté me passé me rencontrer avec un représentant USAID qui vient culminer dans l'Assemblée générale là en bilatéral que nous fait. Il y a un plus gros chantier nous va le faire avec USAID que nous mandons yo et corré nous et que gain expertise là et que ouvert à faire li, c'est sous contrôle frontière là pour contrebande. Chaque année Haïti perdu 400 à 600 millions de dollars sous contrebande qui rentre à travers frontière là parce que nous pas une capacité de gérer li. C'est USAID lui-même qui produit rapport là. Il produit rapport là et puis il rale l'école. Nous dit yo, est-ce que nous gain capacité aider nous? Yo dit nous oui. Brésil gen tap mete men, Mexique gen tap mete men. Brésil gen 10 frontières. Yo c'est expert dans gestion frontière. Mexique gon frontière qu'on connaît avec un envergure frontière ça avec États-Unis. Yo dit nous y a vinn pote kore. N'a prêté dans bilatéral là, n'a prêté dans bilatéral, pas oublier son pral dit et sur question bilatérale que nous gien yo, divers et bilatéral que nous gien que président a continuer et reste yo. Maintenant la République dominicaine parce que là nous sommes aux États-Unis, la République dominicaine impliquée, il a donné. Donc, en pile, vous voyez mon texte fait sur question implication dominicaine de la République dominicaine dans les Nations Unies. Et comme quoi l'armée dominicaine te gagne pour venir à Haïti. Parce que nous besoin pour éclaircir, pour Haïti éclaircir ça pour nous. Tout à fait. Pour pays, parce que pays a une équipe qui a emmerdé l'esprit de l'Union. Non radot comme quoi et soldats, vous voyez soldat dominicain ici éclairci pour population. Et puis deuxièmement, et madame la ministre et ces discours
monsieur Leblanc sous différents paramètres qui gagnent en dans discours et monsieur Leblanc et président Leblanc et comment nous-mêmes nous approcher les. Alors pour me finir première idée hein, oui. Pour qui ça me parlait de contrebande non, c'est parce que gestion crise ça, gestion transition ça a pas qu'à baser seulement sur la gestion de l'urgence. D'accord. Et là on a capté 400 600 millions de dollars que on a perdu chaque année, ça sont on avance durable pour faire peut-être pas pour autosuffisance. Ça veut dire jodi a besoin 600 millions de dollars pour MSS. Non, un an on a rentré 600 millions de dollars, c'est priorité ou tout financer MSS ou pour compte. Si c'est rebâtir l'hôpital, si c'est rebâtir l'école ou café, ça veut dire l'argent ça son l'argent qui a évaporé et que nous ca capter, c'est pour montrer comment que nous avons engagé partenaire nous différemment. C'est pas dire ben nous plus sac durer, c'est dire aidez-nous. Gérer comme pas nous pour que nous autosuffisants pour que nous ca faire projet nous. Maintenant pour me river sous clarification ça, je suis très content Feli. Nous gain et privilège pour nous gain en bilatéral d'ailleurs, c'était une occasion côté CPT a été présent, Primature était présent, MAE était présent côté nous rencontrer président Ruto qui sont évidemment un partenaire important pour nous Kounia qui lui-même tout fait preuve d'un pile courage, l'y engager le politiquement pour porter Corée Haïti normalement et côté que nous t'ai besoin appui MSS là. Nous clarifier que gon problème de syntaxe non Jean-Li Bati tweet là. Sous regardez bien, il dit que il est content de rencontrer avec le président Abinader qui promet que il va continuer engagement dans cadre soutien que Abba évacuation médicale que pays El Salvador a fourni nous. Et entre deux lignes qui sont structure et syntaxe que utilisé en anglais, il dit incluant les troupes qui vont augmenter et donc il continue phrase lien. Mais lui-même l'a parlé de troupes pâles. Et tu voulais dire que nous allons gagner une communication officielle comme MAE, jeudi, pour nous clarifier, pendant nous allons communiquer sur la réunion avec Outoa, on a tout profité de clarifier que ni pour la partie dominicaine, ni pour la partie haïtienne, ni pour la partie kenyane, il n'y a absolument aucun doute qu'il n'est pas question de présence de troupes dominicaines sur le territoire haïtien, ni de participation de troupes dominicaines dans MSS. Appui ou après tu es sur le territoire PAYO, nous accueilli et policiers MSS qui blessés et bio soins de santé et d'ailleurs il a déjà commencé parce que il y a eu déjà des cas d'évacuation. L'IPAP allait plus loin et l'IPAP a un projet pour y aller plus loin et que ça soit clair. OK. Madame la ministre, avec mondialisation journée jeudi, pas aucune société, pas aucun pays, pas aucun peuple qui peut avancer sans support yon l'autre et c'est bien pour que Jean Soutabdilan ou nos gouvernements li entre dans guerre dialectique. C'est-à-dire si tu as parlé au et pas voulez pour nous voulez rester dans et dominicaine là. Donc pas Haïti pas jamais bilatéral pendant les Nations Unies avec la dominicaine. Alors femme dio, je voulais que président fait bilan. Toute réunion que lui fait, je ne pas insister à part pour me clarifier sur Ruto. Me pas voulez que c'est moi-même qui fait bilan mission et présidentielle là. Toute réunion qui concernait et délégation a bien un bilan qui a bien joué nous à travers point de presse là. Très bien. Allez. Alors d'après dit et mais entamer une guerre dialectique, chita rencontrer partenaires internationaux etc c'est bien. Et mais je ne dis à problème Haïti ou en pile mais problème qui pour moi-même toujours dit là d'ailleurs dans ma débat qui puis urgent nécessité une solution urgente dans moment c'est problème insécurité à ça c'est point de vue pas moi maintenant sous problème insécurité à madame la ministre justement et gon paquet c'est cette même communauté internationale ou du moins son parti dans communauté internationale ça qui te dit que c'est haïtien pour résoudre problème que y a confronté. Est-ce que le gouvernement optimiste quant à appui et communauté internationale la compte tenu de son paquet de parties, j'aime sou dire dit et par rapport avec crise que Haïti a connu aujourd'hui. Très bon point et Latimien. Merci. Moi-même dans faire de route PAM sécurité hein, c'est lui-même qui fil conducteur là. C'est colonne vertébrale toute action que m'a mené parce que nous comprenons que nous gagne pile priorité qu'a conjugué en même temps priorité humanitaire priorité électorale mais priorité sécuritaire là sont conditions sine qua non pour que tous les deux ca camper faut nous attaquer en même temps mais nous pas doit jamais quitter sécurité pour un deuxième plan. Plan d'action que n'a déployé Konya non seulement à travers MSS là mais à travers plaidoyer c'est un plan d'action qui centré autour de leadership haïtien. Si nous comprenons bien MSS pas là pour les créer des conditions sécuritaires, ils viennent pour corriger l'effort que la police nationale avec l'armée d'Haïti a déployé. Donc nous tout à fait en appropriation
de effort yo, appropriation de tout ça qui doit être déployé pour que nous arrivions à des conditions sécuritaires. Et c'est ça que m'a dit et m'a permis de parler dans non li que qui occupait et priorité dans l'agenda Premier ministre là, et certainement qui te fait partie de plaidoyer que c'est président Leblanc porté par l'ONU. Ça nous ouais, c'est que on regain en crédibilité pour que on monde choisi. Allons dire que ou dim là al bataille avant. Pour me choisir al bataille avant, faut me croire dans bataille ou pas le mener, il faut me croire tout que là nous river sous terrain ou même ou pas courir ou déguerpi ou aller pour quitter pour compte moi alors que me pas même compte pour qui ça m'a bataille là. Crédibilité c'est clé pour solidarité à manifester. Et ça nous ouais que gouvernement ça avec conseil présidentiel là a bénéficié à travers plaidoyer que nous portons, c'est que nous bénéficier d'un regain de crédibilité. Message que n'a porté depuis plus que 100 jours qu'on y a, li rivé dans oreille moun yo, yo accepté li. Si m'ka permettre mon exception expression, yo acheté li. Ça veut dire que qu'on y a gagné volonté de renforcer participation. La preuve est simple. L'organe et fonds pour financement MSS là, certes nous t'arrêtons que l'y aller plus vite, mais nous ouais progression depuis installation gouvernement. Nous ouais que la continue à augmenter. Nos réunions qui fait ça comme c'est pas bilatéral, ma biote public gain et communiqué de presse qui sorti. Nous ouais que Canada, Premier ministre Trudeau et Premier ministre et Kony organisé en réunion ECOSOC côté que remobiliser des acteurs qui prennent des engagements très forts dans réunion. Secrétaire d'État Blinken avec président Leblanc, avec Premier ministre Kony, organisé une session côté que on parlait avec tout acteur qui est impliqué dans MSS là et nous tendait là des engagements forts, notamment avec les États-Unis, 160 millions de dollars additionnels. Nous gagne des partenaires qui pas jamais participer, qui pral participer, Union européenne pral doubler participation li. Donc il y a un élan vers une participation plus conséquente. Mais ça n'est pas l'objectif haïtien. L'objectif haïtien, c'est un renforcement de capacité, pas nous. C'est pour ça la police a pour écouter, a former. C'est pour ça le mal est Brésil. Mon bagage qui n'a déjà coûté moins que me content, c'est que Brésil va former 400 policiers. Que moi-même, nous, c'est un bagage qui est durable, qui a prêté pour nous. Parce que MSS, c'est un an si vous renouvelez. Nous gagnons un an jusqu'à fin 2025. Yeah. Est-ce que nous investi dans un modèle qui va durable? Investissement, c'est à la fois dans le côté urgent que nous avons besoin à travers MSS, mais c'est surtout à travers sa capacité pour nous. Corée police là, former l'armée, il y a pour recruter dans l'armée, il y a pour recruter dans la police, il y a pour former, bailler équipement, acheter équipement, nous-mêmes avec propre moyen nous, l'État ici a acheté équipement tout, gagne ça cap ban nous équipement, Brésil a aidé nous et Mexique promet nous gagne des partenaires cap voyer des équipements pour nous et gouvernement pour recevoir un hélicoptère quoi d'ici semaine prochaine. Mais n'a pas investi tout pour que capacité arrête souveraine. Mais toute promesse là, il y a pas bon deadline qui est au caractère. Tout à fait. Si nous voulons, ça c'est des documents que nous avons partagé avec nous. Okay. Et ce sont des engagements qui pris dans des tranches de temps bien déterminées et que cap matérialisé et très graduellement. Nous ouais couvrons déjà. Et non annonce juste pour finir sur réunion Blinken. Non annonce qui prend yo. Il y a un pays qui insistait pour dire nous. Ça n'a pas annoncé là, il est déjà dans le compte en banque là parce que nous pas de l'année fiscale là fini, okay. Sans nous pas livrer. Qu'on y a ministre finance là qui a beaucoup plus de détails parce que nous avons une visibilité sur le compte. Ça va. Alors, okay. Changement MSS là en mission de la PA, et est-ce que nous pensons que c'est une bonne idée ou bien comment ça y est Président Leblanc a annoncé dans le discours où tu attendais que Haïti recevra favorablement et possibilité ça. Et faut nous comprendre que c'est une décision que m'estimer pour gouvernement haïtien avec pour conseil présidentiel là qui sont décisions réfléchies côté que nous parler avec tout partenaire nous qui impliqué dans MSS là pour nous font évaluation de viabilité MSS là face à progression li et puis face à besoin que n'a gagné les mandats libres à l'expirer en fin 2025. Okay. Et journée jodi à langage qui a circulé dans résolution qui a adopté le 30 septembre non, c'est non seulement de renouveler mandat MSS là pour un an donc jusqu'à octobre 2025, mais à la fin de résolution ça dernier paragraphe lundi explorer la possibilité de convertir MSS à la fin de l'année 2025 là, en mission de maintien de la paix, okay, en vue de consolider les acquis obtenus par MSS. Donc c'est vraiment, c'est juste pour une fond, porte ouverte, mm-hmm, pour au besoin qu'a permettre nous après MSS nous taprons panne de fond et puis nous perdu acquis nous pas qu'à consolider. Okay. Mais pour l'instant le langage qui circule c'est vraiment une porte ouverte sur la possibilité à la fin de l'année 2025. Et à ceci Haïti, officiellement par la voix du président Leblanc,
et adhérer à principe de mettre paragraphe ça et de explorer possibilité ça. Okay. Parfait. Et bien avant et 79e assemblée et générale Nations Unies et gain un dossier que t'as fait la une et tout le monde t'a parlé de lui, ses affaires des propos racistes et justement le président Leblanc et tenté ou bien essayé répondre et candidat ou bien ancien président de la Chambre pas fait mention de nom et justement candidat. Justement yeah. Ça, oui et ça fait me dit tenté ça fait me dit tenté. Alors c'est vrai que ministre ou bien ministère des Affaires étrangères était sorti un communiqué sur ça, mais ils ont communiqué selon plus d'un ministère haïtien vivant à l'étranger. Ministère haïtien vivant à l'étranger. Pas de problème, pas de danger. Yeah. Et selon pile monde, communiquer ça n'est pas suffit. Comment ministère des Haïtiens vivant à l'étranger compter justement accompagner compatriotes qui jusqu'à matin m'a parlé aux amis. Qui dit mon petit monde qui ont l'autre petit monde FUCKING va permettre moi pas répéter moi Black Monkey maintenant comment qui support comment compter accompagner patriote par rapport avec ça que déclaration ça l'a fait et comme suite. Alors merci Vladimir ou m'a tap souri tout à l'heure parce que m'étais pas sorti pour parler d'acte d'indépendance là mais sujet ça pas matière à sourire du tout donc m'a excusé parce que l'ordi qui t'a fait la une m'a commencé sourire parce que c'est une nouvelle situation qui a développé dans communauté ça extrêmement alarmant et nous te prenons au sérieux depuis première fois à propos au fait nous organiser c'est pas en communiquer nous languer communiquer c'est pour faire part de action que nous prenons. OK. Action c'était organiser on brasser l'idée avec plus passé 50 organisations particulièrement ça qui impliqué dans zone avoisinante Springfield là pour nous coûter parce que comment ministère là à partir de Port-au-Prince qu'a dit après un événement alarmant qui non seulement insulté, affecté mais bouleversé tout toute communauté haïtienne quel que soit côté propos ça affecté dans identité ou dans nom mais pour nous ca réagir comme ministère c'est pas nous pas un plan d'action qui était dans tiroir pour nous dire leur propos ça a prononcé mais comment nous va le déployer tel dispositif première étape là c'était aller à l'écoute de monde qui souterrain et de monde qui ca ban nous yo même qui gens yo penser pour nous ta doit accompagner yo. Ça c'était premier bagaille là. Deuxième bagaille là c'est que li conforter nous dans une décision que nous t'ai prendre depuis l'heure et yo t'ai ban portefeuille ministériel ça qui c'est que pour l'instant pendant m'a parlé avec nous hein ministère haïtien vivant à l'étranger existe son seul côté Port-au-Prince. C'est premier bagaille que m'ai saisi. Donc l'homme parle avec premier ministre là me dit il faut qu'on ait que dans plan d'action ministère haïtien vivant à l'étranger pas l'exister à travers tout poste consulaire que nous gagnons côté que nous gagnons plus passer 100 000 haïtiens qui vivent. Et ça, malheureusement, nous pas de déployer immédiatement. Faut nous tenter un nouveau exercice fiscal là, nous budgétiser li. Si nous gardons nos feuilles de route que ministère haïtien vivant à l'étranger gagne li écrit, déployer un dispositif à travers les postes consulaires et gon protocole d'entente qui pral signer entre deux ministères pour permettre que MAV ka bénéficier de MAE tout côté le joine col dans le monde. Pour qui ça? Comment ministère ka à côté en communauté s'il Port-au-Prince? Nous faisons zoom non, c'est ça nous te gagné comme outil. Mais qui s'oblige à faire en contrepartie? Mobiliser consulat Chicago qui c'est lui-même qui desservit et communauté ça. Moi rencontré avec et chargé d'affaires là pendant nous New York, il déplacé, il vient nous-même. Nous font réunion de travail pour nous évaluer justement comment la pas accompagner, qui sorte de demande qu'a vienne joindre, qui ça les cafés qui puis bien pour que qui moyen les besoins tout en termes de ressources humaines, en termes de mobilité pour que les cas aller plus près problème là. Sa réunion ça fait. Nous gain personnel MAV qui pral déployer. M'a besoin expliquer nous problème visa. Nous avons un petit retard dans la réactivité que nous avons souhaité. Nous attendons que nous recevions un visa pour que le personnel Mavlan lui-même déplace physiquement pour aller à la côté communauté. Mais entre-temps, nous avons compris la frustration des compatriotes que nous avons peut-être souhaité ouais, plus, plus vite. D'accord? Et certainement, nous faisons un exercice d'empathie. Côté que si nous là, comme maman petite, pour ma vivre situation de stress, nous avons apprécié un corps qui est visible. Même pas venu nous minimiser. Que position haïtienne nan salteye par ma voix non seulement par le biais de communiquer mais par le biais de d'autres et canaux que m'utiliser d'ailleurs qui viennent publier dans Washington et Post après c'est que nous verbaliser indignation nous et ça et gen même CPT qui fait
président fait sous podium Nations Unies, moi fait sous compte Twitter PAM, moi fait avec interlocuteur moi et du côté du département d'État le rencontrer yo en comprenant que ça sont nuances que nous devons faire. Comme ministre Affaires étrangères, interlocuteur moi c'est administration pays côté que nous gain relations diplomatiques là. Propos ça au pas tenu par administration. Okay. Donc m'obliger toujours à kembe chapeau ministre haïtien vivant à l'étranger parce que c'est pas gouvernement américain qui kembe propos ça yo. C'est un monde qui non dynamique électorale et donc faut nous-mêmes positionner tête nous pour que nous pas fait et pour que nous pas attaquer un gouvernement qui pour l'instant fait preuve au contraire de solidarité face à propos ça yo. Donc nous pral continuer action nous. Nous pourrons continuer à verbaliser l'indignation. Nous pourrons continuer à mobiliser tout moyen que nous gagnons, encore une fois, à travers un accompagnement physique mavelant, à travers accompagnement continu consulat. Parce que pour nous-mêmes, ce n'est pas seulement communauté ça. C'est tracer un exemple pour dire que l'heure s'arrive, nous-mêmes n'avons campé à côté communauté. Et je tout souligner parce que son point qui est important au-delà de ce qui a passé Springfield. Attaque ça sur humanité, sur dignité, sur appartenance nous dans des espaces côté nous pour contribuer pour nous bâtir des communautés. Il fait tout côté. Il peut-être pas une plateforme politique de attaque que n'a ouais dans Springfield là. Mais attaque ça yo compatriotes nous yo a subi yo tout côté yo installé. Et moi-même yon bagay que me t'ai dit premier ministre là en plus que déployer dispositif là, c'est que MAV pas seulement un ministère qui est au service de diaspora qui a réussi hein. Diaspora qui voulait contribuer politiquement, économiquement, classe moyenne haïtienne ça qui trouvait à l'étranger que nous besoin. Diaspora tout, c'est pour compatriotes nous yo qui sait des haïtiens pareils nous qui c'est diaspora tant que l'autre mais qui invisibilisé, qui humilié, qui pas gain point de repère, qui pas gain droit à document d'identification pour que yo ka participer. Et c'est pour ça nous pral livrer des cartes dermalogue là dans toute poste consulaire yo, c'est pour ça que nous pral accélérer livraison passeport yo. Nous déjà commencé, nous va aller en pile retard dans livraison passeport là, même si MAE pas gain pour dans livraison passeport, mais c'est à travers nous même service là offri, c'est intérieur qui offri li. Nous travaillons main en main avec finance intérieur MAE pour nous avancer presque 6 mois retard que nous t'ai gagné et nous a continuer livrer service ça qui bail compatriotes nous accès à dignité. Donc MAV avancer. On comprend frustration compatriotes nous parce que l'ita qualité doit avancer plus vite. Mais n'a privé et n'a privé main en main avec yo tout côté que yo que c'est dans Springfield avec tout quatre coins de la planète là côté que nous compatriotes haïtiens. Et pendant parler sous point ça m'a venu gros problème qu'on s'est posé notamment en République dominicaine madame la ministre, mais ma frontière était sous cause Springfield là toujours et vous saute dit tout à l'heure m'a répété que gouvernement les détaché les désapprouvé déclaration ça. Donc voilà pourquoi nous avons mené action yo avec une certaine restriction si m'ka dire comme ça. Mais cependant communauté haïtienne surtout dans Springfield besoin nous fait sentir que nous ensemble avec yo. Par exemple il y a un silence total n'ta capable dit bon du gouvernement dans média n'ta capable dit américain yo. Par exemple nous fait silence net, nous pas accordé aucune entrevue avec Talon sur site Washington Post et gon paquet l'autre, mais sous dossier ça même et gouvernement et réagit dans la presse américaine. Pour clarifier, Washington Post là c'est un article qui sortit sous ça même, c'est okay. Pas moi même qui écrit lui, mais côté que cité justement prise de position. Est-ce que c'est gouvernement prise de position? Okay. Mais question moi même voulais poser yo, et Vladimir qui est important. T'as posé? Oui, m'a posé au lit. Super même. On allait. C'est que lorsque on gagne plus haute autorité hein, qui c'est pour l'instant le président Leblanc qui allait sous podium puis grande plateforme mondiale là pour le dénoncer fait ça. Gouvernement lui-même, ce n'est pas prise de parole qui va le courir ça nous pour nous faire. On a assez agi sous position que nous prenons, qui sont position d'indignation et position de solidarité avec compatriotes. Non. C'est sous ça qu'on a avancé. Je ne crois pas que si demain nous faisons op-ed ou bien nous alchitons dans CNN, ça va rassurer les compatriotes. Yo. Parce que Haïti déjà prononcé tête li. Haïti prononcé tête li par voix, par voix et MAV, par voix président. On a assez agi. Et dans l'action, nous allons renforcer toute capacité que nous gagnons, qui pour l'instant, j'aime dire là, gagne des contraintes, pour que nous accompagnions à hauteur de attente par eux et rester surtout en dialogue avec eux pour que l'accompagnement soit à la hauteur de ça. Ils ont besoin dans nos circonstances que y a vivent en première ligne. Ok.
cause passeport sous posé là madame la ministre li la cause bon pas même dit passeport m'a dit document d'identité même on carte dermatologue par exemple bon paquet compatriotes république dominicaine qui a difficulté pour faire yo et ça cause justement bon on veut quoi qu'entendre comment autorité dominicaine qu'on a rapatrié déporté eux même dans des conditions inhumaines. Maintenant, on saute parler de et permettre que haïtiens qui à l'étranger gagnent les documents d'identité qui pour bon etc. Mais c'est qu'il est à quand parole ça va dire la concrétiser. Oui, la concrétiser, merci Isaïe. Réalité livraison service à travers poste consulaire là, il est déjà acté. Quoi c'est 26 septembre que on commencé premier an. Et son bagage qui va le déployer graduellement, il y a des postes consulaires qui déjà hier, okay. Et qui déjà pral et qui déjà bénéficié, excusez-moi, nous avons des postes consulaires qui bali d'ailleurs de New York hier, New York bali. Et faut nous systématiser pour c'est pas ou gen chance ou New York ou joindre sous Santiago ou pas ka joindre. Ça n'a fait c'est déployer pour que tout graduellement et bonne nouvelle là c'est que nous joignent financement pour assurer nous que nous pas gen des contraintes qui lié à en capacité et financière de mener projet à terme. Donc nous pral livrer dans toute poste consulaire côté que haïtien qu'a référé au journée aujourd'hui, on pas ca promettre que n'a pral aller au-delà de ça à travers mobile que idéalement nous ta ca va faire, même pas pral font promesse que pour l'instant nous pour gon prévision budgétaire pour lui, mais le déploiement à travers toute mission diplomatique ça a pour réalité dans les prochains mois. OK. Là tu as le bon besoin d'aide bon probablement dernière question. Le ministre ta doit aller. Oui, non nous n'a vinn connu. Mais n'a pral sous tourner pour nous conclure. Sous tourner et ministre t'a fait en Europe. Et puis après ça, nous avons 5 questions et bon côté haïtien qui vivent à l'étranger. Parfait. Alors, c'est nous avons du sous-même problème et déportation massive et dans conditions inhumaines et des haïtiens en République dominicaine. La République dominicaine, pardon, comme état souverain, les libres pour les appliquer politique migratoire qui peut parler. Ça, nous avons un problème avec ça. Mais cependant, la façon que vous avez déporté haïtiens, est-ce que MAV ou bien ministère affaires étrangères plutôt pas capable de développer et nous t'as capable de dire si on accord d'ailleurs qui fait déjà et pour empêcher que haïtiens yo déporté yo dans conditions ça des conditions inhumaines indignes et puis on a tout conclu avec tournée nous pas ouais que pour ma part nous font paris qui sont paris que nous pas prêter silencieux sous traitement que haïtiens subit qui indigne quel que soit côté ou taillé. Mais pour que nous portons solution dans territoire souverain qui va pas nous, ça mandé construction dialogue et mécanisme diplomatique. Et m'a mandé nous seulement pour que nous comprennent que tout mécanisme ça yo pas qu'a fait de façon visible à chaque étape. Mais que son effort et son engagement continuent, que le Premier ministre lui-même prend, que nous sentions à travers CPT en tout, et que moi-même m'a mené tous les jours. Moi, j'ai une correspondance et quotidienne avec le chargé d'affaires non, en Santo Domingo. Si j'ai une mission, côté que j'ai fait chaque heure de temps, c'est mission ça, nous en dialogue permanent. Moi, j'ai une conscience absolue de l'urgence que nous avons pour agir, particulièrement sous ça, on n'a pas parlé de déportation, mais étudiants et tout. Et je suis fier pour me dire tout que malgré m'paka dans un premier temps ben nous détails sur étape par étape qu'a développé a nous pral wè en amélioration sur ka étudiant yo et nous pral certainement wè en amélioration sur bon pas nous sur capacité que nous pral déployer à travers 5 missions diplomatiques que nous gagnons l'autre bord parce que en van nous mandé yo fait pi bien faut nous même tout nous commencer faire pi bien côté nous y est tout et travail ça l'a fait m'connais que leur gain urgence. Chaque jour, son jour de trop, mais son dossier aussi sensible historiquement. Ouais. C'est pas moi-même qui fait le compliqué, pas mon enfant qui fait le compliqué. Journey. C'est depuis la nuit son dossier extrêmement compliqué. Yeah. Et il est difficile de dire que tout va bien, que tout va aller bien. Mais ça me cadre nous. Et me pas jamais dit l'enfant. Ça me cadre nous, c'est que pral gain des améliorations, parce que pral gain des prédispositions des deux parties pour que
ça allait mieux. Parce que là, son scénario perdant. Correct.